projet de connexion naturelle a été initié et lancé en 2015 par le WWF dans le but de protéger, de promouvoir et de soutenir la biodiversité dans le monde agricole. Nous avons fait appel au WWF qui nous a soutenus dans un projet de haie fruitière, à la fois qui soit fourragère pour nos animaux et qui puisse se nourrir sur place, et à la fois pour ramener des auxiliaires, ramener la faune sur la ferme et donner à manger aux coccinelles, aux abeilles, aux oiseaux, qui eux, après, en arrivant sur la ferme, peuvent aussi nous permettre de lutter contre certains prédateurs sans avoir besoin de traiter, et favorisent la biodiversité. La demande en fruits bio est assez grande. Ici, il n'y a pas d'autres producteurs. On s'est décidé à produire des fruits. Donc on s'est décidé à faire une forêt comestible sur le système de la permaculture. Le monde agricole a donc une position stratégique toute choisie pour remettre en lien la protection de la nature, les citoyens et les agriculteurs et agricultrices. Oui, c'est bien si d'autres se lancent. Ça fait du bien à nos paysages d'avoir des haies et avoir ces refuges pour toute la faune. On tente avec les agriculteurs, en collaborant avec eux, de réinstaurer des habitats et des structures naturelles qui vont favoriser le retour de la faune et de la flore, ainsi que leur déplacement entre les différentes parcelles. Ça peut aller du simple nichoir pour les oiseaux, tas de pierres ou tas de branches qui peuvent servir de refuge à différentes espèces. Ça peut être des projets de plantation de haies ou de vergers qui seront à la fois des habitats et des garde-manger pour les animaux. Et on peut ensuite étendre les projets à quelque chose de plus grand, comme la création de mares, de gouilles, et même à la revitalisation de milieux particuliers. Alors, je remercie énormément le WWF d'avoir contribué à ce projet de haies fruitières. C'était quelque chose d'essentiel, vraiment d'important. Grâce au WWF, j'ai pu mettre ces arbres. C'est peut-être un projet qui aurait duré 10 ans. Grâce à votre contribution, vous, en tant que citoyen, vous pouvez directement soutenir le WWF dans la mise en place concrète de projets de connexion naturelle en collaboration avec les agriculteurs et les agricultrices de la Romandie.